Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui déjà pour le dernier tuto de la quatrième série recyclage de nos rouleaux de papier toilette. Donc ce sera le tuto numéro 28. Donc je vous en supplie, pas de manifestation ni de pétition. Il y aura une cinquième série, c'est sûr. Parce que je sais que vous appréciez vraiment ces tutos voilà, qui sont accessibles à tout le monde. Et donc il y aura une cinquième série. Donc là aujourd'hui, donc, c'est un tuto. L'idée m'est venue en fait en regardant la télé, en voyant une pub sur les tisanes. Je me suis dit, je vais faire un tuto par rapport à ça. Et donc, je vous le montre tout de suite. Donc là, j'ai utilisé du papier vellum pour faire la petite pochette. J'ai fait le thème chat et cœur. Je ne sais pas pourquoi. J'avais envie. Donc, j'ai utilisé du vellum avec des impressions de cœur. J'ai utilisé des découpes de cœur que j'ai superposées et décalées volontairement. J'ai utilisé aussi les petits stickers que j'avais choisis dans la boutique In Love Art. Donc, comme d'habitude, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien des stickers en barre d'infos. Voilà, donc là, c'est la petite pochette, voilà, qui cache, tadam, voilà, un sachet de thé. Donc, hop, voilà comment que ça se présente. Donc, c'est comme un sachet de thé, en fait. Voilà, c'est en voyant ça, je me suis dit, je vais faire un tuto... Voilà, sachet de thé, je ne sais pas pourquoi. Alors, donc, pour la base, le rouleau de papier toilette, comme d'habitude. Ensuite, j'ai pris donc ma crocodile. J'ai mis des œillets. J'ai fait un petit fil, comme pour le fil de notre tisane. Avec ma découpe, ma perfo timbre, j'ai fait les petites découpes qui ressemblent aux petits sachets qui pendouillent. Avec une autre perfo, j'ai fait des empreintes de patoune. Et là, pour fermer donc mon sachet de thé, j'ai utilisé donc un trombone sur lequel je suis venue mettre de la dentelle. Et lorsque l'on ouvre, voilà. Donc là, en fait, j'y ai mis deux tags. Voilà. Sinon, ça se présente comme ça. Donc lorsque l'on ouvre, ça, c'est du papier que j'avais teinté au café. Voilà. Toujours en faisant ces petits effets comme ça, ces petits zigouigouis là. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai fait les découpes pour avoir la forme du tag. Du coup, je n'ai pas jeté les angles, je les ai récupérés pour faire justement mon petit support pour pouvoir mettre mes tags. Donc j'ai formé mes tags sur lesquels je suis venue mettre les petits stickers ce chat. Hop. Donc ils viennent de la boutique In Love Art. Le rendu est super sympa aussi et que ça ira parfaitement dans notre junk journal. Donc voilà le tuto qu'on va faire aujourd'hui, donc le dernier qui va achever notre série numéro 4. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Hop. Donc ce que je fais, donc je reprends le petit fil qui pendouille, je mets le petit ticket sous le trombone, comme ça, ça ne gêne pas. Et ensuite, voilà, on le remet dans sa pochette. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore l'idée. Donc c'est parti, on y va. On perd pas de temps et on va commencer déjà par embosser le papier. Oui, vous l'aurez remarqué, franchement, j'adore embosser les rouleaux de papier toilette. Je trouve que ça fait vraiment super joli. Donc c'est pour ça que je le fais. Alors je ressors ma bébête. Donc je vais ressortir la toga. Au niveau du classeur de gaufrage, donc là, je vais changer. J'en ai pris un autre. J'ai pris celui-ci, donc qui vient toujours de chez Action, avec des espèces de petits feuillages arabesques, là. Hop. Donc, comme d'habitude, je viens coincer mon papier dans mon classeur de gaufrage. Attends, je vais essayer de le centrer un peu. Voilà. Et ensuite, on mouline. Et donc voilà le motif que ça nous donne. Voilà, super sympa. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, hop, j'enlève ça. Alors, une fois que ça c'est fait, on va comme d'habitude ancrer le tout. Toujours avec ma distress. Voilà, donc là, je pense que c'est bon. Mon couvercle, il est là. Alors, une fois que ça, c'est fait, alors on va prendre notre rouleau et on va le plier en deux.
Donc je viens l'aplatir, enfin l'aplatir, le plier en deux. Je vais passer un coup de plioir. Voilà, donc j'insiste pas trop non plus parce qu'autrement je vais enlever l'embossage. Ensuite, donc je viens rectifier un petit peu. Bon, ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est moi qui n'ai pas plié droit. Alors, attendez. C'est vrai qu'avec le carton, c'est pas forcément évident. Normalement, c'est bon. Ouais. Donc là, je viens le plier en deux. Ensuite, ce que je fais, donc je vais faire une première découpe. Donc, comme je vous ai dit, en triangle. Ensuite, pour que ce soit exactement la même chose, donc le triangle que vous avez enlevé, vous le retournez. Vous le mettez au côté opposé et vous découpez comme ça, vous avez la même forme. Voilà. Et ensuite, donc là, vous ne les jetez pas. Donc comme je vous ai dit, je les garde et ensuite, ça nous fera nos petits coins pour pouvoir insérer le tag dans notre pochette. Alors, attendez, il y a un tout petit bout là qui dépasse. Alors, est-ce que je suis décalée ou quoi? Bon, il y a quand même un millimètre de trop là-haut. Hop là. J'enlève. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, donc comme d'habitude, je vais ancrer le pourtour pour que ça fasse plus joli. J'ai moins chaud là par rapport à hier parce que alors hier je vous disais que je voilà que je suais, que j'avais hyper chaud. Là on a eu un bon orage cet après-midi. Bon, il n'y a pas eu de dégâts. Hein. Il y a bien plu, ça s'est rafraîchi et franchement ça fait un bien fou. Vous n'imaginez même pas parce que franchement j'étais ouais non c'était trop. Ensuite, donc une fois que vous avez ancré, alors ce que moi je viens faire, donc je prends un papier donc que j'ai teinté au café. Ensuite, donc au niveau de la coupe, je regarde à peu près. Mon crayon de papier, je l'avais préparé. Ah non, il est... Donc, je laisse un petit rebord de quelques millimètres de chaque côté. Voilà, donc je prends déjà mon premier repère, je vais couper. Voilà, donc là, c'est bon. Ensuite, je vais regarder au niveau de la hauteur. Donc là, il faut que je le tourne dans l'autre sens. Je vais m'aider de la règle, comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, donc je viens plier en deux. Je viens juste regarder si au niveau de la taille c'est bon ou pas. Normalement, oui. Et donc je vais réutiliser mes petits morceaux de... mes petits triangles, pardon, pour faire mes découpes. Alors. Donc vous reprenez ceux de la, on va dire de la couverture, et vous venez les poser donc sur la, les feuilles intérieures, et vous faites vos découpes. Hop là. Donc là, c'est bon. Et ensuite, alors, il est où l'autre? Là. En fait, je suis bête, j'aurais pu plier et puis faire comme j'avais fait tout à l'heure. Là, je suis en train de me compliquer la vie, mais bon, c'est pas grave. Nous sommes le soir. J'ai pris mes cachets pour ma migraine. J'avais une bonne migraine tout à l'heure. Hop là.
Voilà, donc là, normalement, c'est bon. Donc, vous regardez. Dans la logique, vous avez à peu près un intervalle d'un millimètre un peu partout. Voilà, et une fois que ça, c'est fait, donc on va venir le coller. Avec mon tube de colle qui va être certainement bouché, comme d'habitude. Oh non, oh la mauvaise langue, tout ça pour me faire mentir. Voilà, vous placez votre papier et ensuite ben, vous pouvez appuyer pour faire adhérer votre colle. Hop là. Voilà, et une fois que c'est fait, donc on va réutiliser, donc comme je vous ai dit, les petits coins que l'on a coupés de notre tag. Donc là, je vais les ancrer un petit coup quand même. Voilà, comme d'habitude, mon Dieu, vous mettez de la colle juste dans l'angle. On va attendre un petit peu que ça sèche quand même avant de passer à la suite. Donc en attendant, je vais faire donc mes petits tags qui vont venir donc à l'intérieur. Donc là aussi, hein, vous utilisez bah, comme d'habitude vos chutes de papier. Vous utilisez vos chutes pour pouvoir faire vos tags à l'intérieur. Donc là, je vais prendre quoi ? Voilà, on va prendre ça. On va couper droit juste. Ça, je remets dans la pochette. Et ensuite, donc, je vais venir utiliser alors, une perfo. Donc là, c'est la perfo de chez Stampin' Up qui fait ce petit motif-là au sommet des tags. Donc voilà ce que ça donne. Le premier, je fais le deuxième. Ensuite, donc je vais juste venir arrondir les bords de mon tag. Je vais venir ancrer le pourtour de mon tag. Cette fois-ci, je vais utiliser la chabichoteur. J'aime bien cette encre là, elle fait aussi très 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 nature. Mon Dieu, mon pâte de mousse, il est décalé. Bon, faites pas attention à mes doigts, hein, du coup. Je fais la cochonne. Je vous montrerai sur l'autre après, là, parce que là, c'est foncé, ça se voit peut-être pas forcément. Mais j'aime beaucoup le rendu de cette encre-là. Elle est vraiment très, très belle. Et vous la mélangez, je vais vous montrer. Vous la mélangez, ce que j'aime bien faire, avec du marron, enfin avec la vintage photo, là. Et ça fait vraiment chouette. Hein. Donc, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on va voir correctement ou pas. Normalement, si. Je vous jure, hein, la lampe, là, la WIT que je vous avais présentée, là, de la marque BenQ, elle est vraiment top. Parce que là, nous sommes le soir, je suis en train de filmer. Et si ça avait été l'autre lampe que j'utilisais habituellement, je pense que ça aurait été un petit peu la misère au niveau de la vidéo. Mais là, pas du tout. On voit bien, quand je fais mes montages, pareil, je vois le rendu, c'est vraiment top. Elle est géniale, cette lampe. Voilà. Donc là, j'ai ancré et je vais vous montrer en utilisant donc la Distress. Vous mettez la Distress par-dessus celle-ci, la chabichoteur. Vous allez voir, ça fait super beau.
Regardez-moi ça. Franchement, j'adore le rendu. Ça fait hyper chouette. Je pense que les deux là, voilà, si vous faites du vintage, des junk journal, etc. Honnêtement, pour ancrer tout ce qui est tag, carte, etc. Les deux là se complètent vraiment très très bien. C'est vraiment, si j'avais un conseil à vous donner, si vous hésitiez avec des coloris d'encre pour du vintage, hein, je parle, prenez les deux là, elles se complètent vraiment très très bien pour les junk. Enfin, moi je trouve que voilà, celles-là elles sont vraiment top. Je vous les remontre, comme ça vous saurez. Donc la vintage photo, c'est celle que j'utilise vraiment le plus, et celle-ci, donc la Shabby Shutters, elles sont vraiment top. Voilà, donc regardez ce que ça donne au niveau de mes tags, franchement, si c'est pas joli ça. Voilà, donc comme ça on va pouvoir venir les insérer après dans les petites encoches. Je le fais pas tout de suite parce que voilà, c'est pas encore super sec. En attendant, ce qu'on va faire, donc là je vais prendre ma la Crocodile. Hop, et je vais venir donc perforer ici au milieu comme j'ai fait pour celle-ci. Et je vais venir mettre un petit œillet de chaque côté, sur chaque page. Alors, je vais quand même mesurer le milieu parce que quand c'est pas bien centré, j'aime pas et ça fait pas joli. Donc là, ça fait 3,4, donc ça fait 1,7. Voilà, donc ça fait ici. Donc là, je vais utiliser le 1/8 pour perforer, donc le petit. Voilà, et ensuite, donc, je vais venir poser des œillets cuivrés. Donc là, c'était des œillets que j'avais trouvés chez Cultura. Donc là aussi, c'est des 1/8, il y en a 200. Le prix, je ne sais plus combien que j'avais payé. Ben, c'était au moment où j'avais pris justement mes petites pinces, mon fil alu, etc. C'était à ce moment-là que j'avais pris ces petits œillets cuivrés là, parce que j'avais pas la couleur là. Et j'aime bien mettre du cuivre en fait pour du vintage aussi. Hop, alors. Je vais prendre donc un morceau de fil. Donc pour... j'ai plein de colle sur les doigts. Un morceau de fil donc que je vais venir accrocher sur mon œillet pour faire l'effet... sachet de thé. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non! Alors, attendez. Mon Dieu, je viens de prendre 100 km de fil. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, il y a ma bobine qui a dû se dérouler. Bon, c'est pas très grave, tant pis. Ah. Donc là, vous prenez un morceau. Il y a tout qui s'est déroulé de la bobine. Ah, le carnage. C'est le gros bordel dans mon sachet. Ça, c'est les fils que Nathalie m'avait donné lors d'un de ses envois. Franchement, ils sont top. Je m'en sers beaucoup. Alors, du coup, ce que je fais. Donc, moi, je vais prendre mon fil. Je vais faire un nœud. Enfin, je vais faire un nœud. Sans le serrer. Et je vais venir le mettre autour de mon œillet. Voilà. Donc vous voyez, je fais mon petit nœud. Hop. Je mets mon œillet. Donc là, je vais mettre le fil. Alors là, par contre, on risque de ne pas voir. Je vais mettre le fil donc, où il y a l'œillet. Je vais serrer. Voilà, comme ceci. Oh, attendez. Hein. Oui, c'est petit. Donc voilà, je le mets autour. Ensuite, donc l'œillet, je le mets au niveau du trou. Et puis, je viens le poser. Tout simplement. En faisant attention qu'il ne se fasse pas la malle. Alors, attendez, est-ce que je l'ai bien mis? Oui. Et
Et voilà, donc là, j'ai posé l'œillet avec mon fil. Je couperai le petit qui est juste là. Moi, je vais le couper tout de suite pour qu'il y ait juste le grand qui reste en apparent. Mettre dans la poubelle. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, bah, celui de l'autre côté, je le pose bah, sans rien mettre. Il n'y a pas besoin de mettre de fil. Et voilà. Donc vous voyez, ça fait vraiment sympa les petits œillets cuivrés là. Enfin, moi j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Donc ça, c'est bon. Ensuite, pour faire le petit truc là, comme pour le sachet de thé, j'utilise cette perfo. Alors vous êtes nombreuses à me demander à chaque fois d'où vient cette perfo. Alors c'est ma Célinette qui me l'avait offert. Donc la marque apparemment c'est... Je sais même pas ce que c'est. Alors, je sais pas si c'est marqué Mali ou Make Me, je sais pas. Je vous montre mes... Voilà, c'est une perfo en forme de timbre. Franchement, elle est top, je l'aime beaucoup. Mais je ne sais pas où c'est qu'on en trouve. Donc, s'il y en a parmi vous qui savent où il y a des perfos comme ça, timbre, bah, vous le mettez dans les commentaires. Et puis, bon, bah, celles qui sont intéressées liront. Donc là, je vais en faire deux découpes. Hop. Donc là, je vais venir coller déjà un premier timbre. Enfin, coller, mettre de la colle dessus. Je vais poser mon fil et je vais superposer le deuxième pour emprisonner le fil entre les deux. Ben, le même principe que je fais pour les signets de mes junk. Vous savez, quand j'arrive au milieu, en général, je fais ça avec le fil qui reste. Donc là, je prends mon fil, je le pose sur ma découpe et je viens prendre donc l'autre timbre. Donc je superpose, voilà, j'essaie d'aligner l'écran à peu près au même endroit pour que ça fasse une belle finition et ensuite on va laisser sécher. Voilà, donc là dans la logique c'est bon. On va juste appuyer pour enlever le surplus de colle. Voilà ce que ça donne. Donc là on a déjà pratiquement fini. Ensuite, donc là je vais prendre donc un trombone pour faire la fermeture. Vu que je vais faire un thème un petit peu plus nature pour celui-ci, je vais prendre ma fameuse laine. Là, voilà. Ma fameuse laine qui ressemble à de la mousse. Alors, c'était ma petite belge qui m'avait demandé d'où elle venait. Alors, en fait, je l'avais achetée au Luxembourg dans un magasin qui s'appelle Beaumarc. Donc, c'est un magasin allemand, mais il est au Luxembourg. Bref. Et c'est vrai que je passe pas forcément dans le rayon de la laine, mais ils font souvent des soldes. Dans ce magasin, ils mettent tout dans un bac. Et bon, il y a quand même du loisir créatif, etc. dans ce magasin. Alors qu'à la base, c'est pour du... Comment expliquer ? C'est un genre de magasin style, je sais pas moi, bricomarché. Vous avez pas mal de matériel, vous avez des fleurs, vous avez un petit peu de décoration, etc. Mais il y a quand même du loisir créatif. Et du coup, quand ils font les soldes, enfin, les soldes, quand il y a des trucs qui sont pratiquement en fin de stock, ils mettent tout dans des bacs et puis ils vous soldent ça. Et il y avait justement cette pelote de laine, là. Donc, elle était toute seule comme une cake. Je me suis dit, ah non, ça fait trop joli. Ça fait vraiment nature, mousse. Donc, je l'ai prise. C'est vrai qu'elle est super belle. Je vous raconte ma vie. Alors, mon trombone, je l'ai mis où ? Oh non ! Voilà. Donc, je prends un morceau de laine et je viens le passer dans mon trombone. Voilà, donc, vous faites votre petite boucle et vous passez votre fil... Enfin, votre fil, vos fils de laine dedans. Et voilà. Je vais peut-être en prendre un autre morceau
pour que ça fasse un petit peu plus fourni. Ça fera plus, voilà, ça fera plus fourni, ça fera plus joli. Hop. Et voilà. Donc là, c'est bon. Alors ensuite, donc, il vous reste plus qu'à mettre vos petits tags à l'intérieur, donc des petites pochettes que vous avez formées. Bon, je regarderai après. Non, ça a l'air d'être bon. Voilà, vous mettez vos petits tags à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, donc, vous fermez. Vous prenez votre trombone. Et voilà, ça vous fait la fermeture de votre sachet de thé. Je vais appeler ça comme ça. Et donc, vous coincez le petit timbre en dessous. Voilà. Ensuite, donc on va former la petite pochette pour le mettre à l'intérieur. Donc là, je vais prendre du vélum parce que comme je vous ai dit, voilà, j'ai plein de blocs. J'ai des blocs de vélum que j'utilise pas forcément. Donc là, c'est le moment de les utiliser. Donc on prendra dans les tons de vert. Je crois qu'il y en avait un autre. Oui, celui-là, il est pas mal. Donc les espèces de fougères. Alors, est-ce que je l'ai encore ou pas? Oui. Je vais prendre celui-ci pour former ma petite pochette. Alors, donc là, la pochette, ça ne va pas être du standard vu qu'il va falloir s'adapter à notre sachet de thé. Donc, alors déjà, vous prenez la mesure, vu qu'on n'a pas toutes les mêmes rouleaux, vous prenez votre mesure, enfin, la largeur de votre... de votre sachet de thé. Donc là, en l'occurrence, ça fait 5,8. Il faut ajouter un tout petit peu, vu qu'on a le petit rebord du trombone avec ben, soit votre dentelle, le ruban, ce que vous avez pris. Donc vous ajoutez un tout petit peu plus. Donc là, on va mettre 6,2. Voilà, donc 6,2. Je vais utiliser quand même la totalité de la largeur de mon vélum. Je vais y arriver. Donc pour former ma pochette, ensuite je viens mesurer la hauteur. Donc la hauteur de mon tag fait alors 9,2. À cela, je viens ajouter donc 9,2. Là, ça fait à peu près 1,5 cm. Donc ça fait donc 9,2 plus 1,5, ça vous fait 10,7. Donc ça, c'est pour le rabat de la pochette en haut. Et ensuite là, je viens ajouter donc 1 cm pour le rabat de la pochette du bas. Donc ça fait 11,7. Donc je vais prendre cette mesure. Donc 11,7. J'espère que vous m'avez compris. Donc tout simplement, enfin je répète pour être sûr. Je sais que vous me dites à chaque fois que j'explique bien, mais j'ai tellement peur vu qu'il y a pas mal de débutantes qui me suivent et que c'est pas forcément... voilà, j'ai toujours peur de ne pas bien expliquer. Vous mesurez donc la longueur de votre sachet de thé. Donc là, comme je vous ai dit, ça fait 9,2. Vous ajoutez à ces 9,2 1,5 cm. Donc pour le rabat de la pochette, voilà, le petit rabat de la pochette en haut et 1 cm pour le rabat de la pochette en bas que l'on va coller. Et donc moi, ça fait 11,7. Voilà, donc 11,7. Et je coupe. Donc là, en fait, toute la partie foil ne sera pas visible. Voilà, j'ai juste quelques petites pointes là, mais bon, c'est pas très grave. Alors ensuite, donc là, je viens prendre mon repère 1,5. Et les 1 cm en bas. Hop. Vous prenez votre planche de rainurage et vous venez marquer vos plis.
Voilà, comme ça, vous avez déjà vos petites marques pour la pochette. Ensuite, donc là, on va mesurer. Donc, le vélin, normalement, ça fait 15. Ah non, même pas. Ah, l'arnaque. Donc, ça fait 14,7 de large. Donc, 14,7, sachant que en largeur, mon sachet de thé faisait 5,8. Oui. 5,8. Du coup, alors... Donc vous faites 14,7 moins 5,8. Alors attendez, je suis en train de... En fait, il va falloir que vous obteniez 5,8 cm et que l'on fasse un petit rabat comme ça en pliant. Mais il faudrait quand même qu'il y ait une partie que l'on va devoir coller. On ne peut pas plier comme ça en deux et puis hop, c'est bon. Non, il y aura une partie qui va devoir être collée. Comme là, vous voyez, on va devoir les superposer l'une sur l'autre. Du coup, c'est pour ça que je calcule. Donc, alors de 8 à 7, ça fait 9, je retiens 1. Je vous montre comment je fais mes soustractions. Hein. Ensuite, de 6 à 4, 8, enfin à 14. Donc, ça fait 8,9. Donc, 8,9. Donc, on va dire ça fait 9. Ouais. 8,9. Du coup, il ne faut pas diviser en deux. Enfin, vous divisez en deux et vous enlevez un d'à côté. Donc, alors, comment dire? Voilà, on va dire que ça fait 4,5. Voilà. 4,5, le 8,9 par 2, mais bon, enfin bref, ça fait 4,45. Donc 4,5. Alors, vous faites un repère, on va dire, à 4. Et l'autre, vous faites un repère à 5,5. Non, à 5. 1 à 4, 1 à 5. Comme ça, vous avez une bande de 1 cm pour coller. J'espère que vous comprenez. Enfin, même moi, en vous expliquant, je n'ai pas compris. Si, je pense que c'est bon. Vous prenez ça, vous enlevez la largeur de votre sachet de thé. On va y arriver. Hein. De votre sachet de thé, vous obtenez donc là, en l'occurrence, 8,9. J'arrondis à 9. On obtient 9. 9 divisé par 2, ça fait 4,5. 4,5 cm. On ne va pas prendre 4,5 cm là et là, sinon on n'aura pas de partie à coller. Du coup, on prend 4 et 5, ce qui fait qu'on aura une petite bande de 1 cm qui va nous rester pour pouvoir coller. Superposer et coller. Voilà, normalement, là, c'est un peu mieux expliqué. Du coup, alors, je prends 4 cm d'un côté, 5 de l'autre. Et voilà, entre les deux, donc, vous devez avoir vos 5,8. Donc là, c'est bon. Vous prenez de nouveau votre petite planche à rainurer. Vous venez marquer vos plis par rapport à vos petits repères. C'est le dernier tuto, mais il est chaotique, hein, celui-là. Hein. Oh mon Dieu. On va y arriver. Et ensuite, alors, ce qui fait que vous obtenez un quadrillage comme ceci. Alors, on va couper. Alors, je vais prendre ça. On va couper alors le rectangle qui est en haut à gauche, le rectangle en haut à droite, le rectangle en bas à gauche, le rectangle en bas à droite. On va juste laisser les rectangles qu'il y a au milieu. Voilà. Donc ça, vous prenez vos ciseaux, vous coupez. Voilà, vous obtenez ceci. Ensuite, donc là, on va couper en biseau. Pour pas que ça nous gêne au moment du collage. Et il ne vous reste plus donc qu'à plier. Donc vous rabattez. Comme ça, vous allez avoir donc votre partie. Comme je vous ai dit, vous allez avoir 1 cm au milieu pour pouvoir coller votre... même plus d'ailleurs. Oui, même beaucoup plus. Bon bref, vous avez le principal, c'est d'avoir une partie pour pouvoir coller votre pochette. Donc vous pliez. On rabat la partie du bas. Et ensuite, donc la partie du haut, ce sera la fermeture de notre petite pochette. Voilà, donc je vous montre. Donc on rabat. On va venir mettre de la colle. Donc là, je vais en mettre ici. Et ici, hop.
Je viens coller tout ça. Bon, j'espère que ça va aller au niveau des explications. Je verrai ça au montage, comme d'habitude. Il y a des fois où je me dis, mon Dieu, ils ne vont rien comprendre, les pauvres. Et puis, après, quand je revisionne mon tuto, je me dis, bon, bah, ça va, finalement, ce n'était pas si catastrophique que ça. Voilà, donc là, c'est bon. Ensuite, donc pareil, je vais venir mettre sur le rabat le plus petit de la colle pour fermer donc ma pochette. Voilà, comme ça, ça vous permettra d'avoir une pochette pour votre petit sachet thé et de liquider donc vos papiers vélum. Ce serait qu'on ne les utilise pas beaucoup. C'est pas la première fois que je vous le dis, que ben moi j'en ai, mais je ne pense pas. Ça fait vraiment joli, mais je ne pense pas à l'utiliser. C'est ça qui est bête. C'est j'y pense pas. Et voilà, on a notre petite pochette qui est formée. Et donc là, qui va être assortie à mon sachet de thé. Donc je vais attendre un petit peu, mais dans la logique, voilà, ça rentre dedans. Je l'ai même fait trop juste par rapport à mon truc là, mais bon. Ouais, je l'ai fait un poil trop petite. C'est pour ça, mesurez bien. Voilà, on va mettre le petit truc en haut. Enfin, le trombone n'est pas indispensable. C'est vraiment juste pour fermer mon petit sachet de thé. Ah, attendez. Du coup, j'ai mis ça avec. Voilà, si je mets ça vers le haut, ce sera mieux. Bon, vous rangez tout votre beans là, et voilà. Non, même là, au niveau de la hauteur, j'ai fait... je fais n'importe quoi. Bon, j'ai très mal mesuré. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'arrive même plus à la sortir. Je vais raccourcir le tag. J'arrive plus à la sortir, elle est en prison. Non, c'est bon. J'ai juste raccourcir le haut pour pouvoir refermer ma petite pochette quand même. Logiquement, là, c'est bon. Encore un tout petit peu. Oh non, Didio. On va raccourcir le bas. Bon, là, normalement, ça devrait être bon. Hein. Ah, voilà. Donc là, c'est bon. Bon, au pire, voilà, si vous avez fait la même bêtise que moi, que vous avez mal mesuré, que vous n'arrivez pas à rentrer votre sachet, bah, vous raccourcissez le sachet. Hein. C'est pas très, très grave en soi. Et donc là, bah, vous tirez en fait sur le truc, là, quand c'est un peu trop juste. Voilà. Hop. Ouais, il y a juste ça du coup que je peux pas mettre. À moi de le mettre là, ouais, comme j'avais fait tout à l'heure. Je vais le mettre là. Ça a son charme aussi, voilà. Hop là. Je vais mettre deux trois petites décos sur ma pochette comme j'ai fait pour celle-ci. Alors, je vais prendre toujours mon sublime feuillage dont je suis éperdument amoureuse. Ah non, franchement. C'est une carte que j'avais loupée. J'avais fait un fond distress avec de l'embossage. Et du coup, j'ai fait des découpes dedans. Ça rend juste trop bien. Alors, je ne sais pas si on va voir. Peut-être pas. On a un petit peu de paillettes comme ça. Ça fait super joli. Ouais, vous voyez, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Vous mettez juste une feuille. Allez, deux pour le fun. Oh non, ça fait vraiment super joli. J'adore ces feuilles-là. Elles sont trop, trop belles. Ah, je regrette pas de les avoir prises, hein, franchement. Ouais, donc je vais coller juste mes deux petites feuilles là. Vous voyez, hein, pas besoin de plus, hein, franchement, c'est superbe. C'est très 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 joli. Bon, alors est-ce que je mets encore un petit papillon comme j'avais la dernière fois, un petit papillon en papier là, en papier en bois.
Ouais, ça fait joli aussi. Allez hop, un petit papillon pour le fun. Hop là. Et donc là, voilà, le tuto numéro 28 est terminé. Hop. Donc franchement, ben moi j'adore. Enfin, je trouve ça voilà super joli. Encore une fois, pour agrémenter nos junks, ça ira parfaitement bien. Je vais peut-être mettre un petit tamponnage sur le petit timbre là. Mais voilà, j'aime beaucoup. Vous pouvez mettre donc une petite photo, une petite image, etc. Donc sur vos tags, vous pouvez écrire à l'intérieur. Ici, où j'ai mis le papier. Franchement, ouais, c'est pas mal du tout. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Puis ce thème nature là, ça fait super chouette. Hop, le petit trombone qui va bien. On remet le petit sachet, enfin le petit machin, et hop. J'adore. Voilà. Bon ben, n'hésitez pas donc à me donner votre avis en commentaire, comme d'habitude, et à me dire ben, ce que vous en avez pensé. Moi, j'adore. Hop, et on a celui-ci. Voilà, version un peu plus moderne et version nature. Voilà, ben j'espère que ce dernier tuto vous aura plu. J'espère que cette série vous aura plu, mais j'en suis sûre vu que vous n'arrêtez pas de me le répéter dans les commentaires, donc ça me fait vraiment super plaisir. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura une cinquième série. J'ai déjà des tutos qui sont prévus. Voilà, après, il me manque juste un petit peu de temps pour mettre tout ça en place parce que, ben, comme vous le savez, ça prend énormément de temps. Je fais les prototypes, ensuite, il faut faire la vidéo. Une fois que j'ai fait la vidéo, il faut que je fasse le montage de la vidéo. Ensuite, il faut que je télécharge le montage. Ensuite, ce montage-là, une fois qu'il est téléchargé, il faut que je le mette à exporter sur YouTube. Enfin bref, ça prend énormément de temps. Donc, si ça tenait qu'à moi, voilà, je vous en ferai un tous les jours. Mais voilà, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et puis bah, j'ai d'autres choses à faire à côté aussi, donc voilà. Mais il y aura une cinquième série, c'est sûr et certain. Voilà, donc je vous fais plein de gros gros bisous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire lequel de ces 7 tutos de la série 4 vous avez préféré. C'est ce que vous avez fait lors de la série 3, je vous avais demandé lequel vous aviez préféré. Donc n'hésitez pas à me dire lequel vous avez aimé. Et puis bah, voilà, en attendant la prochaine, plein de gros bisous, bonne journée et puis à bientôt. Ciao ciao !